Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vais vous montrer aujourd'hui comment mettre vos pieds à la tendance de l'été, les élastiques, en ajoutant à vos tongs des fleurs tropicales assorties à vos couleurs, aux couleurs des tongs ou aux couleurs de vos tenues. J'ai réalisé cette fleur tantôt en ajoutant au bout des pétales une perle ou des élastiques. Je vous montrerai la différence, c'est pas bien compliqué. Et pour commencer, je vais refaire celle-ci puisqu'il m'en manque une deuxième pour l'autre tongue. Pour faire cette fleur, il vous faudra quatre couleurs. J'en utilise une pour le centre et pour le début des pétales, une autre en haut des pétales, la couleur principale de la fleur et également la couleur de la bague, sauf si vous la remplacez par une perle. Il me faut donc, pour réaliser la même fleur que celle-ci, 19 élastiques blancs, 24 élastiques verts, 48 élastiques violets et j'aurai besoin également de 10 élastiques jaunes. Je vais travailler avec le support Rainbow Loom en position classique, décalé, mais le sens n'a pas d'importance. Vous pouvez le décaler vers le haut ou le décaler vers le bas, ça ne change rien. On se servira de toute façon du bas et du haut. Le bas pour former la fleur, le haut pour former les pétales. Je vous montre ça tout de suite. On va préparer le support de la fleur et c'est très simple, il s'agit juste de la pose de 7 élastiques. Comme pour une petite fleur, on pose d'abord un premier élastique tout en bas du support qui servira à fermer la fleur quand elle sera entièrement terminée. Puis on pose les élastiques blancs qui vont nous permettre d'attacher les pétales en partant en hexagone depuis le picot du bas. On va tourner sur l'hexagone de gauche vers la droite en remontant en posant seulement un élastique simple pour faire le tour. Une fois ces élastiques posés, on ne s'occupe plus de cette partie du support et on va travailler en haut pour former les pétales. Donc je reprends l'extrémité du support et je peux commencer la pose du pétale. On commence avec deux élastiques blancs que l'on pose tout en haut. Je travaille ensuite sur la première couleur, qui est ici le vert pour moi, avec un élastique posé sous les blancs, puis un à gauche et un à droite. Je vais maintenant faire la partie violette de la fleur avec deux élastiques que je pose à gauche et à droite. Si vous avez fait le serpent que j'ai proposé en vidéo, vous reconnaîtrez le schéma parce qu'en fait je me suis inspirée de cette forme de fleur que j'avais déjà créée pour faire la tête pointue du serpent. On continue avec un seul élastique au centre, puis on enchaîne avec deux élastiques en dessous. On relie ce picot du bas aux deux élastiques de droite et de gauche avec un seul élastique violet. Et pour finir, on ajoute encore un élastique violet en forme de losange au milieu du pétale. Donc on le passe sur quatre picots pour obtenir la forme d'un losange. Il nous reste à bloquer les élastiques du bas et à placer en même temps une petite perle faite ou bien d'une vraie perle comme sur ces fleurs. Une vraie perle enfilée sur un élastique ou tout simplement d'une fausse perle faite d'un élastique entouré quatre fois sur un crochet comme je vais le faire maintenant. J'ai choisi de faire ça en jaune. J'entoure donc mon élastique deux fois et je le replie pour faire quatre et je l'enfile
sur un fil vert. Je place la bague bien au milieu de l'élastique. Je reprends les deux boucles sur le crochet et je m'en sers comme d'une bague pour serrer le bas de mon premier pétale. Le pétale est terminé. Si vous voulez, on va directement enchaîner avec le deuxième puisqu'il nous en faudra 6. Alors on recommence. On met d'abord deux élastiques blancs juste en dessous. Ce deuxième pétale, vous ne pouvez le faire que si vous avez un support suffisamment long, parce qu'il ne faut pas qu'il vienne sur celui-là. Vous avez donc besoin de 5, pardon, vous avez donc besoin de 5 picots libres. Moi je les ai, 1, 2, 3, 4, 5. C'est pour ça que j'enchaîne avec le deuxième. On place ensuite les verts en forme de feuille, en forme d'éventail, en dessous des deux élastiques blancs. On continue avec le violet en en mettant 2 de chaque côté, puis un seul au milieu et 2 en dessous, que l'on relie ensuite avec un seul. On termine avec le losange et la bague. Vous voyez, ça va plutôt vite. C'est des poses très simples. Le tout, c'est de faire 6 fois le pétale pour obtenir la fleur. Maintenant, on va pouvoir crocheter ces deux pétales. On passe dans la bague et on va commencer par aller chercher le fil du dessus, c'est-à-dire celui-ci. On l'attrape et on le remonte là d'où il vient. On va maintenant attraper celui de gauche, toujours à travers la bague. Vous pouvez l'attirer un petit peu pour mieux voir. Et on remonte les deux derniers fils vers l'avant. Attention, ils sont très souples, ils peuvent sauter du crochet. Vous voyez, il n'y a aucune tension. Donc on va tout de suite les bloquer en allant chercher le fil rose qui est en dessous et le ramener vers le haut. Et puis on continue en remontant le premier fil vert. On passe à droite. On va chercher les fils roses qui sont en bas, on remonte et on remonte le fil vert. On fait la même chose à gauche, on remonte les fils violets, puis le fil vert. Il nous reste à remonter les deux fils blancs de la tige de la fleur et on peut enlever le premier pétale. Voilà le premier pétale formé. On redescend le support et on vient le placer au-dessus du premier fil posé. Donc on le pose d'abord sur le picot du bas, puis on étire pour l'amener sur le crochet du milieu. Et on baisse bien tout ça parce que sur le crochet du milieu, il va y avoir 6 pétales attachés. On fait le deuxième. On remonte le premier fil. Puis le deuxième. Les fils roses du milieu que l'on bloque tout de suite en reculant le fil vert et en les remontant, et encore une fois, puis à droite
puis à gauche. On termine avec la tige et on peut enlever le pétale du support. Et le placer sur la fleur à la suite de l'autre en tournant dans le même sens que tout à l'heure. On le place donc sur le picot de gauche et on étire sur le picot central. On va maintenant recommencer en fabriquant deux autres pétales, puis deux autres ensuite. On y va ? On commence avec du blanc, puis les verts que l'on pose en forme d'éventail, en dessous, à gauche, puis à droite. On continue avec deux violets, à gauche et à droite. Au centre, on en pose un seul, puis deux en dessous. Et on les relie avec un seul violet de chaque côté. On pose le losange et on fait la bague de serrage avec 4 tours de jaune glissés sur un élastique vert. On rattrape les deux boucles et on s'en sert comme bague. On prépare le suivant. Deux élastiques blancs. Les élastiques verts en éventail, au centre, à gauche, à droite, puis deux élastiques violets, à gauche et à droite, puis un seul élastique au centre et deux en dessous. Et un seul élastique de chaque côté. Le losange et la bague. Que l'on pose en bas. Et on va remonter à nouveau les fils de ces pétales. On va chercher le premier fil à travers la bague. Puis le suivant qui va vers la gauche. Les deux du bas. Que l'on bloque en allant chercher le rose du bas qui doit remonter au-dessus, puis le vert. À droite, on enchaîne en remontant deux fois les fils, puis à gauche, on fait la même chose et on termine avec la tige. On peut enlever ce pétale. Et le placer à la suite des autres. Je passe au quatrième.
Fais bien attention à passer à travers les deux fils de serrage pour remonter ce fil rose. Ensuite, le reste est vraiment très facile. À droite, à gauche, puis la tige du milieu. Ah, je n'ai eu qu'un fil, je vais aller chercher le deuxième, ça n'a pas d'importance. Voilà. On enlève. Et on place. Encore deux. Et notre fleur sera presque terminée. Je vais les faire l'un à la suite de l'autre parce que là, cette fleur va me gêner pour le suivant. Ce sera plus simple. Je vais donc en faire un premier, l'enlever et recommencer. On est reparti avec deux élastiques blancs, puis les élastiques verts. À ce stade, on commence à connaître vraiment la technique par cœur. On continue avec les violets. On passe au centre avec un seul élastique, puis avec deux. Et on relie le centre et les côtés avec un seul élastique. On serre un peu avec le losange. Et on prépare la boucle de serrage, la petite perle. Qui va aller en bas. Si la bague vous gêne, vous pouvez même l'étirer sur le picot suivant pour mieux voir ce que vous faites. Au moins pour les deux premiers fils. Ensuite, remettez-la en place pour qu'elle ne soit pas étirée trop longtemps, qu'elle ne se déforme pas. Et vous pourrez attraper les fils suivants sans problème. Là, on va attraper celui du dessous. On bloque. On va à droite. Puis à gauche. Et on termine avec le blanc. Passe bien à l'intérieur de tout pour aller le trouver. Voilà, c'est notre avant-dernier pétale qui vient prendre sa place sur la fleur. Et il ne m'en manque plus qu'un que je fais tout de suite. Je redémarre en haut avec deux. Puis les verts de chaque côté. J'enchaîne avec le rose. Deux à droite, deux à gauche, un au centre, puis deux en dessous. Et un de chaque côté pour relier la gauche au centre et la droite au centre. Je termine avec le losange. Que je place sur les quatre picots et la bague. Deux tours. Plié, ça fait quatre. Un élastique vert. Je l'emmène au centre
et je place ma bague avant de crocheter ma bague. S'est sauvée, je l'ai trop soulevée, je la replace. Vous connaissez la technique, on en est à la sixième, c'est facile maintenant. Les deux dernières à gauche, la tige blanche, on enlève le tout. Et on finit la pose du dernier pétale. Voilà. On va maintenant pouvoir crocheter la fleur pour la terminer. Mais d'abord, on va bloquer le centre avec une petite bague, simplement faite de deux tours. Elle est juste là pour relier, pas vraiment pour serrer. Deux tours suffiront. On va maintenant ramener chacun des élastiques qui tiennent les pétales vers le picot de l'extérieur en allant les chercher à travers la bague. On commence dans le sens inverse de ce qu'on a posé, par celui-ci. Donc on va tenir la bague pour qu'elle ne sorte pas, comme elle n'est pas très serrée. Attraper les quatre fils qui doivent aller à droite et les ramener sur le picot. Descendez-les pour qu'ils ne se sauvent pas. Ça, c'est le fil de la bague qui s'est déjà terriblement agrandi. Et donc ça va être très facile maintenant d'attraper les fils suivants, puisqu'on doit les prendre à l'intérieur de la bague, on n'est même pas obligé de passer dans le picot. Donc sur le suivant, on va tout simplement l'attraper ici. On tient quand même la bague encore une fois. Et on le ramène à droite. La bague s'élargit de plus en plus. On peut attraper le troisième fil à cet endroit. On va regarder également pour passer à l'intérieur de la bague, on attrape le fil derrière. Vous voyez que la bague s'étend considérablement. On a maintenant besoin de ce fil. On va aller le chercher par ici. On pivote le support pour ramener plus facilement les fils sur le crochet. Il ne nous reste plus que celui-là. Attention à ne pas attraper le fil de serrage qu'on a posé tout au début. Laissez bien le dernier fil entre les picots. On n'en attrape que 4. On les soulève et on les ramène sur la fleur. On voit au centre le fil qui nous servira à fermer la fleur, mais on n'a pas encore tout à fait fini. Il nous reste à ramener les fils qui sont ici tout en bas, chacun également, vers le picot d'où il venait. On commencera avec celui-là. Pour le trouver, on regarde sur le picot où il est. Donc il est ici, parce qu'il est au-dessus de celui de gauche et au-dessus du fil avec lequel on va finir. Donc repérez bien le fil pour aller le chercher à travers la bague. Quand vous savez lequel vous voulez, il est facile à attraper. Voilà.
J'espère que ce n'était pas trop flou. Donc on peut sortir le fil, le faire pivoter autour du picot et l'emmener à droite. Après, il n'y a pas autant de fil sur les picots, c'est très simple. On voit très bien le fil en bas. On va simplement le détacher un peu des autres. Et on surveille bien par l'extérieur ce qu'on fait pour aller attraper celui-là et uniquement celui-là. On sort, on tire un peu dessus et on l'emmène. Maintenant, je cherche à attraper celui-là. Attention, il est coincé derrière un autre. On passe à travers la bague. On va le chercher. On tire déjà un peu dessus pour donner de la souplesse. On fait le tour du picot. Là, le fil est très très tendu. Il est un peu trop coincé. Je vais quand même réussir à le poser. Mais je vais revenir donner de la souplesse en faisant le tour avec mon crochet à l'extérieur du picot. Je fais attention là de ne rien attraper. Ça a libéré la tension et permis de donner la jolie forme en goutte d'eau. Maintenant, c'est celui-là que je vais chercher. Attention au fil qui croise pour aller attraper uniquement celui qui nous intéresse. On donne de la souplesse, on lui fait faire le tour du picot et on l'emmène. Là encore, je n'ai pas réussi à le tirer suffisamment pour avoir la jolie forme, donc je donne de la souplesse à mes élastiques par l'extérieur. Celui-là maintenant, on ne peut pas l'attraper par devant. Il faudra venir le chercher sur le côté. On passe à l'intérieur de tout. On attrape le fil par le côté. Celui-là est très coincé. Il faut lui faire faire le tour du picot. On tourne, c'est plus facile. Faites pivoter le support. N'hésitez pas à attraper vos doigts. Celui-là est très serré, j'ai même peur de le casser. Je vais donc l'attraper avec les doigts pour libérer. D'ailleurs, je peux le laisser sur le crochet et je vais libérer un peu de tension en tirant comme ça moi-même. Voilà, ça libère l'élastique. On peut le poser et on revient donner encore un peu plus de souplesse aux élastiques. C'est le seul qui est aussi coincé, c'est toujours le même, c'est toujours celui de gauche. Parce qu'il est difficile à attraper, on l'attrape sur le côté, il faut lui faire faire le tour, c'est vraiment un mouvement compliqué. On termine maintenant avec celui-là, la fleur sera finie, ensuite on l'attrape, là aussi il est coincé, on lui donne quand même un peu de souplesse, on essaie de libérer un peu les élastiques, voilà, avec les doigts ça suffit, et on vient le poser. On n'a plus qu'à remonter le fil central. On va le chercher tout en bas de la bague. Voilà. On le remonte. On le libère. On l'accroche en haut. Et on va aller chercher son autre extrémité pour la passer à travers. De cette façon, on va tout simplement nouer la fleur en faisant le nœud. On peut libérer le centre et tirer doucement pour resserrer. Maintenant, il est serré. Pour retirer la fleur du support, vous allez d'abord remonter tous les pétales, ce qui libère déjà des mailles. Vous les attrapez tous ensemble et là vous allez libérer maille après maille en passant le crochet à l'envers pour ne pas attraper de fil, picot après picot, vous allez libérer la fleur. Une dernière, ça enlève plus facilement.
Voilà. On a donc obtenu la fleur à laquelle il ne manque que le cœur. Choisissez le côté que vous préférez. Ils ne sont pas tout à fait pareils au centre. Si vous voulez exposer l'autre côté, il suffit de changer la boucle et de la passer derrière. Je vais laisser comme ça. Donc pour moi, le beau côté, c'est celui-là. Je vais lui faire maintenant le cœur central. Pour faire le cœur, je commence par faire trois boucles avec un élastique, puis avec un autre sur le crochet. Et pour que le cœur soit bien épais, suivant l'épaisseur des élastiques, si vous travaillez avec des élastiques jelly, ils sont un petit peu plus épais. Vous pourrez vous contenter de deux élastiques pour les passer à travers. Là, je vais en prendre trois pour que ce soit vraiment très épais, pour être sûr que le cœur ne se sauve pas avec ce trou, à travers ce trou. Donc je prends trois élastiques et je passe mes boucles par-dessus. Je bloque les deux extrémités ensemble et là j'ai quelque chose d'assez gros qui ne devrait pas passer à travers le trou. Donc je l'ai fait avec d'autres élastiques un peu plus épais. Deux élastiques suffisent. Ensuite, je bloque ces trois boucles de chaque côté en les repassant sur un seul élastique pour obtenir ceci. Vous prenez les boucles sur le doigt et vous attrapez. Vous venez de l'autre côté de la fleur, les attraper avec le crochet. Arrivé de l'autre côté, on attrape également le fil blanc. Et on va passer le premier fil blanc et le premier fil jaune à travers l'autre fil jaune, de façon à serrer tout ensemble. Voilà, il nous reste donc deux élastiques à l'arrière de la fleur qui vous permettront de l'accrocher où vous voulez. J'ai donc terminé la deuxième fleur que je vais pouvoir accrocher avec celle-ci pour faire une paire de tongs. Mais je vais vous montrer également une autre utilisation de ces fleurs pour créer un cadre. Je vous avais montré déjà dans une autre vidéo comment faire ce petit cadre avec une petite fleur. J'ai fait exactement la même chose avec des grands bâtonnets cette fois. Et avec cette grosse fleur que je trouve vraiment très décorative. Mais je vais vous montrer maintenant comment accrocher cette fleur sur une tongue en la posant sur la tige du bas. On passera un élastique de chaque côté par le dessous des tiges. Donc celui-ci par la droite et l'autre passera ensuite par la gauche. Mais je m'occupe déjà de celui de droite. Une fois qu'il est passé, on l'écarte et on passe tout simplement la fleur à travers. On récupère maintenant l'élastique jaune. Et on fait la même chose, on le passe à gauche et on passe la fleur à travers. Et voilà comment fixer une fleur tropicale très colorée et assortie à votre maillot de bain sur vos tongs de plage. J'espère que mon tuto vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle idée. Et en attendant, vous pouvez trouver d'autres idées de bricolage sur mon blog, mespetitsbonheurs.com. À bientôt!